Cocooning comme je l'aime. Genre franchement, ma chambre, c'était la best pièce. Je kiffais. Mais bon, voilà. Mon pink day s'est arrêté assez rapidement. Et on est sad, on est sad. Alors non, je vis pas avec sa famille parce que sa famille est sur l'appartement d'à côté, mais on est voisins. Alors ouais, pour une famille coréenne, ouais, ils sont hyper ouverts. Même moi, je suis choquée. Alors oui, j'ai un permis de travail, sinon je pourrais pas travailler. J'ai fait du 255 cc, donc j'ai pas mis beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. La texture de peau est quoi carrément? Comment dire? Non! Aïe, aïe, aïe. Ouais, merci beaucoup. Alors là, je recherche du travail plus en tant que serveuse en restauration ou dans les shops. Alors, garder un appartement, du coup, payer donc 340 euros dans le vide. 340 euros dans le vide pendant 12 mois. Non, non. Et après, c'est un risque à prendre, hein, mais dans le sens où vivre avec une personne, c'est là que tu peux voir si t'es compatible ou pas. Et les personnes, ils sont 3 ans en couple, et quand ils commencent à habiter ensemble, ça pète. Bah, au moins, on le saura, hein. Bon, pour l'instant, tout va bien, parce que, ben, tout va bien. Genre, on est matching sur le fait de chacun fait sa petite vie de son côté, voilà, enfin, voilà. Genre, on est sur les mêmes bases, dans le sens où on n'a pas besoin d'être H24 ensemble. Généralement, pour jouer aux jeux vidéo, il me dit, ça te dérange pas? Je dis, bah non, va jouer. Genre, il n'y a pas de souci. À part si on a besoin de faire un truc, je dis, bah écoute, c'est pas le bon moment là, faut qu'on y aille. Mais voilà, je suis pas à l'empêcher de jouer aux jeux vidéo, moi, il m'empêche pas de faire mes lives. Voilà. J'avais un petit B, donc à 70 B. Non, j'avais pas de ça. Alors sachez juste que je gagne très peu d'argent avec TikTok. Genre si je gagne 100 euros par mois, c'est que c'est bien. Voilà, juste pour que vous ayez la vision des choses. Si je gagne 100 euros, c'est bien. Parce que j'avais du Photoshop, c'est pour ça. Alors, le 1er octobre, je vais chez le toubib. Et normalement, après, ce sera encore un mois pendant 6 heures. Alors, je vais pas donner plus d'informations sur mon chéri parce que, ben, relation discrète, relation parfaite. Après, vous le voyez de temps en temps et tout, mais dans le sens, je vais pas autant parler de lui que. Voilà. J'ai plus de pansements. J'ai les cicatrices à l'air. C'est des cicatrices maintenant. Parce que. Oh Yuki, je vais te tuer. J'ai plus de croûte, plus rien. Faudrait juste que je lui réponde à un moment. Parce qu'il m'a envoyé des vidéos, je pense, des photos avec son papa. Je pense qu'il doit m'envoyer des photos de bouffe aussi. En plus, on a très peu dormi aujourd'hui. Enfin, il a très peu dormi. Moi, après, j'ai dormi jusqu'à 3 heures. Laisse tomber, j'étais fatiguée. Ah non, non, c'est un corset. T'en veux pas. Enfin, un corset, non, c'est un soutif chirurgical. Je vais tuer Yuki, c'est pas possible. Alors, j'ai pas eu de job interview hier. Mais si tu parles de l'autre, oui, mais non, je veux pas. Voilà, on a beaucoup parlé avec mon chéri dans le subway et au final, non.
C'est pas possible que je finisse à 5h du matin. Alors oui, j'ai une photo de mon chéri, mais c'est pas que je le montre pas, mais je le montre ou il se montre seulement quand il en a envie. Voilà. Après, le truc qu'on a pensé aussi, c'est faire du contenu en couple, parce qu'on sait que ça fonctionne. Et je vous avouerai qu'on a des plans, mais il nous faut de l'argent. Du coup, si on peut combiner nos deux jobs plus les réseaux sociaux qui peuvent nous aider sur l'aspect monétaire, ça serait cool. Voilà. Il va falloir que j'essaye de renettoyer mes pinceaux parce que j'ai des poils de Yuki sur mes pinceaux, c'est horrible. Oui, oui, ça se passe super bien. Je me suis fait opérer d'une augmentation mammaire. Du coup, voilà. J'ai juste fait une augmentation. Du coup, susul, c'est une opération en coréen. J'ai su ça grâce à mon copain. Je savais pas. Alors, ça me faisait mal, mais je venais d'enchaîner une opération des amygdales. Je te jure que par rapport aux amygdales, j'avais moins mal. Voilà. J'ai fait combien d'opérations? C'est-à-dire genre chirurgicales, enfin plastique ou genre dans ma vie? Comment ça va? Ça va bien et toi? Je crois qu'elle a dit que c'était dur de regarder. Ah non. Alors, quand je le traduis, ça dit que c'est joli, mais sincèrement, j'avais pas vu cette forme-là déjà écrite, mais bon, ainsi soit-il. Au moins, rien. Ouais, mon coréen il est pas parfait, donc bon, ainsi soit-il. Hein. Merci. Bon, je vais juste mettre un peu de blush parce que je ressemble à un petit cadavre. Et après, je brosse mes sourcils et je me barre chez moi. Enfin, je fais les 2-3 trucs que j'ai encore à faire. Yuki Ande. Thank you.